Donc, il est intéressant de voir que les trois prochaines petites parties que nous allons étudier dans la Gemara, donc maintenant, sont en fait toute l'opposition qu'a eu au clan d'Israël au temps d'Alexandre le Grand. On va voir qu'il y a eu trois grands opposants, puisque la Gemara va nous rapporter trois petites histoires qui se sont passées à ce moment-là. Ce n'est pas obligatoirement suivi, mais il y a un ordre. On va voir que l'ordre aussi est important. Il y a eu d'abord les Bnei Africa, donc les gens, les Africains, si on peut dire ainsi. Bnei Africa. Ensuite, il y a eu les Égyptiens, Mitzraïm, qui sont venus également s'opposer au Bnei Israël, faire une disputation. Et en dernier lieu, c'est Ishmaël. On va essayer d'avoir un aperçu rapidement des trois histoires qui se sont passées et on essaiera de voir dans les mots pour avoir une vue d'ensemble et pour comprendre un petit peu plus profondément ce qui s'est passé réellement à ce moment-là. Donc Alexandre le Grand a conquis, vous le savez, une grande partie de l'Asie, pas seulement l'Europe, mais également l'Asie. Il est arrivé jusqu'en Inde. Et contrairement à d'autres, Alexandre le Grand, il n'avait pas la possibilité donc de gérer lui-même ce qui se passait dans toutes les terres qu'il avait conquises. Donc il mettait sur place, il faisait confiance aux gens qui étaient sur place et ils étaient ses représentants. Et il y a eu à ce moment-là, donc il est arrivé en Eretz Israël, il a conquis Eretz Israël. On nous raconte que en Eretz Israël, il a mis quand même les Bnei Israël, c'était au moment du deuxième Beth Amikdash, il a laissé les Bnei Israël quand même dominer sur ce qui se passait dans la terre d'Eretz Israël. Mais évidemment, à ce moment-là, il y a eu des opposants, comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est une question d'actualité, ceux qui ne sont pas d'accord que les Bnei Israël soient souverains et que ce soit eux qui dirigent ce qui se passe en Eretz Israël. Et la Gemara nous raconte donc que ces trois peuples, Bnei Africa, les Égyptiens également, et on va voir que Ishmaël sont venus pour avoir une disputation. Ils sont venus devant Alexandre le Grand pour revendiquer certains droits. Ils voulaient certains droits en Eretz Israël. On va voir que les Bnei Africa, eux, vont demander aux Bnei Israël de sortir d'Eretz Israël, alors que les Égyptiens, eux, vont demander l'argent, un remboursement d'argent. Et alors que Ishmaël, lui, il va dire, on va partager ensemble. C'est en partie à vous et en partie à nous. Alors là, Gvia ben Tsisa, qu'on connaît déjà depuis des histoires d'avant, Gvia ben Tsisa, qui était un homme intelligent, bien qu'il n'était pas beau à voir, puisqu'il était bossu, eh bien, à chaque fois, intervient en répondant à leurs questions en fonction du sens de la question. C'est-à-dire que au lieu d'amener des réponses étrangères à la question, ou des réponses qui répondraient à la question, mais qui n'iraient pas dans le même sens que ceux qui l'ont posée, il va rentrer dans la même réflexion, dans le même état d'esprit de ses opposants, les Égyptiens, des Bnei Africa, des Ishmaël, et va essayer de leur répondre selon leur chita, selon leur avis à eux, que ce qu'ils disent n'a pas de sens. Donc il va le faire avec brillamment, il va le faire brillamment, ce Gvia ben Tsisa, et va toujours dire aux Chachamim, laissez-moi y aller, parce que grâce à moi, vous aurez une deuxième chance. Si ça marche, si ça marche pas, c'est-à-dire que je perds, vous pourrez toujours dire, mais ce n'est pas lui qui est représentatif du clan d'Israël, puisqu'il est boiteux, il est bossu, ce n'est pas lui qui représente les Bnei Israël, donc vous aurez une deuxième chance. Et si ça convient, ben vous direz, ce n'est pas moi, il était très 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 humble, humble, et il a dit, si ça marche, eh bien vous direz, c'est la Torah d'Israël qui a réussi à vaincre donc dans ces disputations. Et il se trouve qu'à chaque fois, Gvia ben Tsisa va réussir. Eh bien, à désamorcer la bombe, il va réussir à défendre les droits des Bnei Israël en Eretz Israël. Et non seulement cela, mais on va voir qu'ils vont. Vous savez que l'année de Shemitah, la septième année, était pour eux une année très difficile. Parce qu'aujourd'hui, on a des solutions halakhiques, certains font confiance à la Rabbanout, on peut faire confiance bien sûr, qui vend la terre aux non-juifs. On vend la terre d'Eretz Israël et c'est de cette manière-là qu'on arrive à consommer, puisque la septième année, on n'a pas le droit de consommer les fruits d'Eretz Israël. Donc on peut faire confiance à la Rabbanout qui vend la terre d'Eretz Israël et donc on achète avec ce qu'on appelle Heter Mechira. D'autres essayent de garder la Kedusha. Il y a des agriculteurs, mais très peu d'agriculteurs qui gardent la Kedusha et à ce moment-là, on a le droit de les consommer, mais sans profit, en tout cas sans avoir une intention de gagner de l'argent. Alors ce qu'ils font payer, c'est non pas le prix du fruit ou le prix des légumes, mais ils font payer uniquement le prix du transport. D'accord? Et ils le vendent, pour ceux qui ont déjà habité en Eretz Israël, ça se vend uniquement dans des maisons. Alors il y a des arrivages de bananes, des arrivages d'oranges, et les gens vendent toujours un ou deux fruits ou trois fruits chez eux à la maison. Ça se passe par cajot, et les gens viennent chercher, mais il faut faire attention parce que ces fruits auront
la Kedusha d'Eret Israël et la Kedusha de la Shnat Shemitah. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de jeter les épluchures, il faut attendre qu'elles soient vraiment détériorées, donc c'est assez problématique, c'est assez difficile. Mais aujourd'hui, on a quand même des solutions, ce qu'on appelle l'importation. On arrive à importer des fruits, des légumes, ils les importent de Gaza ou d'autres endroits, où ils arrivent à avoir en tout cas des fruits, des légumes, bien que le prix soit beaucoup plus élevé dans les années de Shemitah, de Jachère en Eretz Israël, mais quand bien même, même si c'est plus élevé, on arrive à trouver des solutions. À l'époque, c'était extrêmement difficile. On essaiera de voir un jour que les Béné Israël n'ont pas suivi l'année de Shemitah. On essaiera de voir le calcul pendant 70 fois. 70 fois, ils n'ont pas observé les lois de Shemitah. Donc 70 années qui devaient être les années de Shemitah, parce qu'ils avaient faim, parce qu'ils avaient donc quand même également leur raison, ils avaient leur Yitzhara également, je pense, ils n'ont pas en tout cas observé les lois de Shemitah. Et si on fait le calcul exact, tout à fait, on fait le calcul exact des années où ils n'ont pas observé la Shemitah, on essaiera de voir ça un jour ensemble, ça fait exactement 70 Shemitot qu'ils n'ont pas observé, 70 fois. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que pendant 70 ans, le Beth Amikdash a été détruit entre le premier temple et le deuxième temple. Entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, il y a eu également 70 ans. Ce sont ces mêmes 70 ans qui représentaient un petit peu la mitzvah de Shemitah, puisqu'on nous dit que la mitzvah de Shemitah nous aide à rester en Eretz Israël, à garder le Beth Amikdash. Et voici, ils n'ont pas observé. Donc ils ont eu cette punition, si on peut dire ainsi, de 70 ans de galout avant la construction du deuxième Beth Amikdash. Mais il se trouve qu'après, lorsque les Bnei Israël voulaient donc observer les années de Shemitah, ils avaient quand même des difficultés. Quelles difficultés ? Bien, tout simplement, ils se sont retrouvés dans une situation où ils avaient faim. Ils n'avaient pas de quoi manger. Et ensuite, on se rend compte dans l'histoire, à chaque fois, dans les trois histoires qu'on a déjà racontées, qu'on va revoir ensemble dans les mots rapidement, eh bien, à chaque fois qu'il y avait un peuple qui s'opposait au peuple juif, que ce soit les Égyptiens, que ce soit les Bnei Africa, que ce soit les Ishmaël, à chaque fois que les Bnei Israël gagnaient cette dispute, cette disputation devant Alexandre le Grand, eh bien, ils n'avaient pas d'autre solution que de s'enfuir, de partir d'Eretz Israël. Et ils laissaient leur champ, alors que c'était l'année de Shemitah, ils laissaient leur champ qui avait été semé, parce qu'on n'a pas le droit de semer, d'accord, pendant l'année de Shemitah. On a droit uniquement de récupérer ce qui est sans propriétaire, ce qui est efker, avec un but uniquement de pouvoir se nourrir pour la journée, et pas autre chose, pas pouvoir garder, ni conserver, ni rien. Mais ces gens-là, ces Bnei Africa, ces peuples avaient semé, puisque pour eux, ils n'avaient pas l'interdiction de le faire. Ils avaient semé, et puis les Bnei Israël n'ont eu qu'à récolter pour pouvoir ensuite survivre cette année de Shemitah. Donc on voit que ça leur a quand même servi. C'était quand même un intérêt assez... ils avaient quand même ici gagné à ces disputes avec ces peuples. Même si c'était devant Alexandre le Grand, même s'ils jouaient gros, puisque c'était pour eux une disputation où ils pouvaient très bien se retrouver de perdre le pouvoir en Eretz Israël, quand bien même on voit que Baruch HaShem, toutes les solutions ont été trouvées. On va essayer de voir ensemble rapidement ces trois histoires dans les mots, pour qu'on puisse comprendre un peu de quoi il s'agit. Alors rapidement, puisqu'on a déjà vu ça ensemble, dans la page 118, pour ceux qui l'ont, voilà, donc dans le En Yaakov, mais Kavdalet Benissan, c'était le 24 Nissan, Intilu Dimusnaim Yehuda Mirushalayim, au niveau des lettres Kuf Lamed. Keshebaou Bnei Africa, les gens, les Africains, donc les Bnei Africa, la Dunim Israël, Ifne Alexandros Mogdon, ils sont venus devant Alexandre le Grand, Amroulo Eretz Kenaan Chelanu, Eretz, la terre de Kenaan est à nous. Ils vont apporter une preuve, dirtiv, Eretz Kenaan Ikvulotea. Il est intéressant de remarquer que s'il amène une preuve dans le Chumash Bamidbar, c'est tout simplement parce que, bien qu'il ait écrit des dizaines de fois avant ça, on parle de Eretz Kenaan, dans le Chumash Shemot, toujours on parle de Eretz Kenaan, alors qu'il a pris ils ont pris un verset dans la fin de la Torah. Parce qu'on se rend compte que même à la fin, lorsqu'on a distribué les parties, la terre d'Eretz Israël entre les tribus, même à ce moment-là, on remarquera qu'on parle toujours d'Eretz Kenaan. Donc c'est ce que veulent prouver ces Bnei Africa. Ils disent, regardez, même à la fin de la Torah, alors que les Bnei Israël ont eu hérité de cette terre, alors que maintenant ils sont en train de la partager, on appellera ça toujours Eretz Kenaan. Donc on voit bien que c'est une preuve que ça nous appartient. Et ils disent Kenaan était notre ancêtre, puisque nous sommes les descendants de Kenaan, les Bnei Africa sont les descendants de Kenaan, et eux ils veulent récupérer, donc ils disent la terre d'Eretz Israël est à nous. Alors il faut bien comprendre que quand on parle ici des Bnei Africa, il ne s'agit pas seulement des Bnei Africa, puisqu'il y a des opposants au cas d'Israël qui sont en réalité les sept peuples, les Sheva Amim.
Canaan, c'était les gens de Canaan qui étaient en effet en Eretz Israël. Vous savez qu'il y avait 7 peuples qui étaient dans la terre d'Eretz Israël, les Périsim, les Canaanim, donc tous ceux qui étaient en Israël lorsqu'on est venu et qu'on a conquis Eretz Israël, on avait l'obligation de tous les exterminer. Ils avaient deux solutions, ou quitter la terre, ou bien passer sous l'épée. Alors c'est vrai que c'est assez féroce, c'est assez difficile, on va essayer de comprendre pourquoi il y avait quand on est arrivé en Eretz Israël, pourquoi on a dû nous opposer à tel point à les tuer. On va essayer de comprendre ça un peu plus dans quelques instants. Amar Leo Gvia Ben Tissa le Chachamim. Adi Gvia Ben Tissa le Chachamim. Tnou li reshut. Donnez-moi la permission. Ve'eler va'adoni ma'em. Et je vais aller moi-même disputer avec eux. Ifna Alexandros Mogdon devant Alexandre le Grand. Iminatsruni amou ediot chibanouni tsartem. On verra cette phrase plusieurs fois. Si c'est eux qui gagnent, vous direz un homme simplé a réussi à vous vaincre. Donc au contraire, vous en serez glorifié. Ve'imaninatse achotam. Et par son humilité, il dit que si c'est lui qui va donc gagner. Amolaem Torah de Moshe Nitzartem, c'est la Torah de Moshe qui a réussi à vous vaincre. Natnou lo reshut, il en a eu la permission. Alach v'danim mehem, il a été donc également polémiqué avec eux dans ses disputations. Amar laem meicha atem mevim reaya. Et là, la façon de réfléchir de Gvia ben Tissa a été de rentrer dans leur état d'esprit. Il leur a dit, d'où vous apportez votre preuve? Quelle est votre preuve que Eret Israël est à vous? Il faut apporter une preuve. Amroulo mina Torah. Et eux, justement, viennent avec le livre de la Torah, puisque c'était, comme on l'a expliqué, après la Septante, ils avaient le livre de la Bible. Ils acceptaient quelque part la source divine de cette Bible, historique et divine, et ils disaient, voilà, il y a écrit dans la Torah une preuve que Eretz Canaan nous appartient. Ambrulo mina Torah amarlaem afani loavi lachem reaya ela mina Torah. Même moi également, je vous apporterai une preuve uniquement de la Torah. Chenehema, Vayomer Arur Kenaan Eved Avadim Yelecha. Il est intéressant de voir que les opposants, là, ces Bnei Africa, lorsqu'ils viennent donc s'opposer, ils n'ont pas peur d'apporter un pasouk de la Torah. Alors qu'on va voir tout de suite que dans la même Torah, eh bien, Givya Ben Tissa va apporter une preuve contre eux. Donc ce qui est surprenant, c'est qu'ils connaissaient la Torah. Les Bnei Africa, s'ils sont venus avec les livres de la Bible, c'est qu'ils connaissaient la suite des psukim. Alors pourquoi est-ce qu'ils se sont permis de venir apporter une preuve de la Torah, tout en sachant que Gvia ben Tissa, il va pouvoir très rapidement leur apporter une preuve. Une preuve de la Torah. Et regardez la preuve qu'amène Gvia ben Tissa. Il leur a dit, « Afani lo avi lachem raya ilam na Torah. » Là, vous passez à la page d'après. Donc, il leur apporte un pasouk qui dit, « Au début de Bereshit, Vayomer Arur Kenaan » Eved Avadim Yelechav, maudit soit Kenaan qui va être donc le serviteur de ses frères. Alors quelle est la preuve de Gvia ben Tissa, bien sûr? Regardez l'intelligence de Gvia ben Tissa. Il va leur prouver en leur disant, voici, c'est vrai que vous êtes mes esclaves. Vous êtes les esclaves des Bnei Israël. Puisque dans la Torah, il y a écrit que Arur Kenaan, Eved Avadim Yelechav, il sera serviteur de ses frères. Et là, il va leur dire, regardez, dans le même sens, plus vous allez nous prouver que Eretz Israël vous appartient, et plus ce sera une preuve pour nous, les bénis Israël, que la terre d'Israël est à nous. Alors comment? Alors il va leur dire, allez-y, amenez des preuves, et plus vous allez en amener, plus nous serons forts, et nous pourrons dire que Eretz Israël nous appartient. Pourquoi? Parce qu'il y a une halakha très simple qui dit, Evech kana nechassim, un serviteur qui a acheté des biens, nechassim c'est des biens, Eved lemi ou nechassim lemi. À qui appartient le serviteur? À qui appartiennent les biens? Ben c'est très simple. Un serviteur qui achète des biens, les biens appartiennent à son maître, puisque lui-même appartient à son maître. Donc, regardez ce qu'il aura. La réponse est claire. Il vient à Ben Tissa, il va leur dire, mais au contraire, si vous nous prouvez que Eretz Israël vous appartient, eh bien c'est pour ça que ça nous appartient, nous les Bnei Israël. Puisque vous êtes nos serviteurs, eh bien ça veut dire que quoi? Qu'on a le droit à la terre d'Eretz Israël. Ça veut dire que ça nous appartient. Et justement, ça veut dire que Gvia ben Tissa leur prouve que plus eux vont prouver que ça leur appartient, et plus ça nous appartiendra à nous. Donc, ils sont quelque part complètement bloqués. Velo od, il dit, on ne s'arrête pas là. Et là, sha'are kamashanim shelo avatunu. En plus, si on fait le calcul, ça fait quelques années que vous ne nous avez pas servi, alors que vous êtes censés être nos esclaves. Alors, on fait faire le calcul. Depuis combien de temps vous n'êtes plus nos esclaves, alors que vous êtes censés l'être? C'est vous qui avez apporté le livre de la Torah, c'est pas moi. Donc si vous êtes nos esclaves,
Eh bien, vous nous devez beaucoup d'argent. Et là, ils étaient complètement bloqués. Alors, qu'est-ce qu'eux pensaient? Ce qu'il faudrait comprendre, c'est qu'est-ce que les Bnei Afrika qui ont amené le livre de la Bible, qu'est-ce qu'ils pensaient? Comment pensaient-ils gagner ce combat avec les Bnei Israël? Alors qu'ils savent très bien que dans la Torah, il est écrit qu'ils sont les Eved Abadim Yelechav. Certains commentateurs disent qu'on pourrait supposer que, en fait, ils n'ont même pas imaginé que Gvia Ben Psissa puisse se permettre de donner cette réponse. Mais pour quelle raison? Eh bien, parce que de la même manière que les Bnei Afrika, les enfants de Canaan, sont nos serviteurs, eh bien, on va voir qu'il y a également Alexandros Mogdon, Alexandre le Grand, est également un descendant. Donc, ils se sont dit, si lui aussi fait partie évidemment de la descendance, eh bien, les Bnei Israël vont être bloqués. Ils ne vont jamais pouvoir répondre ce genre de réponse, puisque lui aussi fait partie des frères. Alors, ils ne vont pas intervenir. Alors, regardez que Vébem, c'est ça, il a prévu le coup. Il lui dit, c'est vrai, vous êtes nos serviteurs. Mais là, il se trouve quand même bloqué. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il intervient en disant, vous nous devez de l'argent. Et si vous nous devez de l'argent, donc vous devez de l'argent également à Alexandre Mogdon. Et c'est ça qui va les bloquer. Parce que s'il se trouve que eux, non seulement ils doivent de l'argent au Bnei Israël, mais en plus ils doivent de l'argent à Alexandre le Grand, alors à ce moment-là, il faut qu'ils s'enfuient, ils n'ont pas d'autre solution que de partir. Et c'est pour ça que là maintenant, ça concerne en effet Alexandre le Grand qui se dit, bah alors donnez une réponse, alors combien vous nous devez? Payez maintenant. Donc les Bnei Afrika se sont sentis bloqués. C'est vrai qu'ils ont essayé d'apporter une preuve de la Torah. Ils n'ont pas pensé que Gvia Ben Psissa allait être plus malin qu'eux. Et maintenant, ils se retrouvent bloqués. Et ils n'ont plus quoi répondre. Regardez ce que dit la suite du texte. Amarléo, je termine. Amarléo Alexandros Malka. Arzirolo Tchouva. Donnez une réponse. C'est vrai? Donnez-nous une réponse. Vous nous devez de l'argent. Vous nous devez. Donnez-nous une réponse. Amrulot Nala Nuzman Shoshayamim. Ils ont dit on n'a pas d'autre solution. Donne-nous 3 jours. On va trouver la solution. Mais ils ont bien cherché. Recherché. Ils n'ont pas trouvé de solution. Natan Laemzman. Il leur a donné du temps. Batku Velo Matsu. Tchouva. Ils n'ont pas trouvé de solution au problème. Miyad barchu veinichus dotem keshen zruot vekarmeen keshen etuot. Ils se sont enfuis. Ils ont laissé leurs champs qui avaient déjà été semés, leurs vignes également pleines de raisins. Veotashana shvi taita. Et cette année-là, c'était donc la 7e année. Donc, grâce à cette polémique, à cette disputation, les Bnei Israël ont gagné dans l'échange. Non seulement ils ont eu de quoi manger, mais ils ont pris plus de pouvoir auprès d'Alexandre le Grand. On se rend compte que ce peuple Bnei Afrika, pour répondre à la question qu'on s'était posée au début, puisqu'ils font partie des Sheva Amim, des 7 peuples, qu'on ne devait pas laisser en vie, c'est une raison très simple. Bien que ce soit difficile à comprendre pour nous aujourd'hui, il faut bien comprendre, dans la société dans laquelle ils vivaient à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Ces gens-là, ces peuples, ces Sheva Amim, ne voulaient pas que les Bnei Israël aient un endroit où habiter. C'est pas qu'ils leur disent allez dans la terre d'à côté, on va vous accueillir. Ils leur disent on ne vous veut pas ici. Partez de la terre d'Eret Israël. Ça a été la revendication maintenant de Bnei Afrika. Ils leur ont dit partez d'Eret Israël. Eret Israël n'est pas à vous, donc vous devez quitter. Mais évidemment, les Bnei Israël n'ont pas où aller. Où vont-ils aller? Ils n'ont pas de terre d'accueil. Donc, leur réflexion à ces Bnei Afrika et ces Shiva Amim, ces 7 peuples en général, c'est de dire que les Bnei Israël n'ont pas le droit de séjourner sur cette terre. Voilà. Ils ont peut-être une vie spirituelle, ils sont d'accord pour ça. Mais matériellement, ici, sur cette terre, c'était ce que la revendication, ils leur ont dit, mais partez, allez-vous-en, vous n'avez rien à faire ici. Ils savent très bien qu'ailleurs, on ne va pas les accueillir non plus. C'est-à-dire qu'en réalité, ils en voulaient à leur vie. Ils voulaient que physiquement, les Bnei Israël n'existent plus sur terre. Ça, c'était toute la revendication des Sheva Amim, de ces 7 peuples. Et c'est pour cela que, dans ce cas-là, quand on est en danger physique, puisqu'on n'a pas un endroit où habiter, on n'a pas d'endroit où vivre, eh bien, on a tout à fait le droit de nous défendre. Et la seule manière qu'on a de se défendre, eh bien, c'est également de prendre l'épée, comme ils l'ont fait, et de dire, et de se défendre et de les tuer. C'est-à-dire que c'est la seule solution. Amalek aussi, on a le même dîner avec Amalek. Amalek, il veut qu'on n'existe plus, il veut nous détruire, eh bien, on a l'obligation de nous défendre. Et si un jour, on sait que quelqu'un est de la descendance d'Amalek, puisqu'on s'approche de Pourim, eh bien, on a l'obligation de le tuer. C'est un cas de légitime défense. S'il n'accepte pas que j'ai une existence sur cette terre, eh bien, à moi de me défendre et de prendre les armes en premier pour ne pas me laisser tuer.
Ça, c'est donc les, c'est donc en général, pour une question d'actualité aussi, c'est donc tous les peuples qui disent qu'on n'a pas de terre, on n'a pas le droit d'exister. Quand on dit qu'on n'a pas de terre, c'est-à-dire où, alors, où on va habiter ? Nulle part. Puisque personne ne nous accueille. On a le devoir de les tuer. C'est ça que vous êtes en train de dire. Non, alors à l'époque, on avait, théoriquement, aujourd'hui, à l'époque, ils ont eu, avec la demande d'Akadosh Baruch Hu, ils ont eu à l'époque, au moment où ils ont conquis Eretz Israël, ils ont eu cette obligation de leur dire, pas de les tuer, de leur dire où vous nous laissez Eretz Israël, donc on rentre, on reste en Eretz Israël. Si vous ne nous laissez pas la possibilité de séjourner dans notre terre, on n'a pas d'autre solution que de vous tuer. Donc où vous partez, où on a la place. C'était l'opposition qu'il y avait au moment de la conquête d'Eretz Israël. D'accord ? Et aujourd'hui également, d'autres peuples, et beaucoup de peuples disent qu'on n'a qu'à partir en Europe, on n'a qu'à partir n'importe où, mais en fait, ils savaient très bien qu'on n'a pas de terre. On n'a pas où séjourner. Ça, c'est les Sheva Amim. Non, je ne parle pas d'aujourd'hui. Mais regardez, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à chaque fois, puisqu'on s'approche de Pourim, depuis l'histoire de Esav, à chaque fois qu'on est en direction d'Eretz Israël, première condition, on est en direction d'Eretz Israël, eh bien, et qu'on a une faiblesse dans la pratique de la Torah et les mitzvot, eh bien, c'est à ce moment-là que Esav vient pour nous attaquer. Ça s'est passé déjà avec Yaakov et Esav. Au moment où Yaakov, donc moi, Bereshit, on le voit bien, au moment où Yaakov veut rentrer en Eretz Israël, donc rentre chez lui, et il rencontre Esav, le pasuk dit « Vayira Yaakov Meod ». Il a eu très très peur. Et on se demande « Mais pourquoi Yaakov a eu peur ?» Les Mefarshim disent sur place parce qu'il s'est dit « Ya Esav, il a fait kibboud avaem. Moi, depuis des années, je n'observe plus, je ne respecte plus mes parents puisque je suis loin d'eux. » Puisqu'il était avec Lavan. Donc il s'est dit « Voilà, il a eu très très peur. » Il s'est dit « Il y a sûrement eu quelque chose, un problème dans la pratique des Torah, la pratique des mitzvot que je devais observer. » C'est peut-être pour ça que « Vayavo arba meot ishimo » Esav est venu pour le tuer, alors qu'il était en direction d'Eretz Israël. Ça, c'était la première fois. Donc, on voit les conditions sont réunies. On va pour rentrer en Eretz Israël. C'était Yaakov. Une faiblesse dans la pratique de la Torah et les mitzvot. Et c'est à ce moment-là que Esav vient pour le tuer. Et Esav, en réalité, venait pour l'anéantir, pour le tuer. Ça, c'est la première fois. Et on sait tous que Maaseh Avot Siman Labanim, les actions de nos ancêtres sont un signe pour leur descendance jusqu'à nous aujourd'hui. Et si on prête attention, ça s'est reproduit à plusieurs reprises. Puisqu'on voit que juste après, regardez. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Au moment où on sort d'Eretz Mitzrayim, on se dirige vers où ? Vers Eretz Israël. Et c'est au moment où on se dirige vers Eretz Israël, à ce moment-là, on dit « Vaïsoumi Refidim ». Parce que « Refidim », c'est quoi Refidim ? On était déjà à Refidim, pourquoi on a besoin de nous répéter qu'on est parti de Refidim ? Les commentateurs disent « Rafou Yadaim ». Ils étaient faibles. Dans leur niveau de religion, dans la pratique de la Torah et les mitzvot, à ce moment-là, ils étaient faibles dans leur observance. Et c'est à ce moment-là que Amalek est venu pour les combattre. C'est à ce moment-là que Amalek, petit-fils de Esav, de nouveau, il revient pour essayer de les tuer. Regardez, Amalek, de nouveau, il intervient comme Esav est intervenu eh bien, quelques années auparavant. Bien par son descendant, par Amalek, c'est Amalek qui a continué le travail d'Esav. Au moment où les bénis Israël veulent revenir dans leur terre, au moment où ils ont une faiblesse dans leur comportement, c'est à ce moment-là que Amalek ou Esav viennent et essayent de les tuer. Exactement la même histoire s'est produite à Pourim. Pourim, c'est exactement la même chose. Au moment où les bénis Israël sont en retour pour retourner en Eretz Israël, ils veulent retourner, puisqu'à la suite, il y a eu la construction du deuxième temple. Ils veulent revenir en Eretz Israël. C'est à ce moment-là qu'on dit que, voilà, qu'ils sont mal comportés, ils ont eu une faiblesse dans leur comportement, puisqu'ils ont assisté au Mishté de Achashverosh, alors qu'ils ne devaient pas. Il y avait Ish Yehudi, heureusement qu'il y a eu Mordechai. Ish Yehudi Ayabe Ushanabira. Un homme, grâce à un homme. Ish Yehudi Ayabe Ushanabira Ushmo Mordechai. C'est lui qui a sauvé la situation. C'est lui qui a fait en sorte que les Israélites ont réussi à trouver une solution. Mais de nouveau, Aman, petit-fils de Amalek, descendant d'Amalek, descendant d'Esav, au moment où il voit que les bénis Israël sont en retour vers Eretz Israël, au moment où également ils ont une certaine faiblesse dans leur comportement, eh bien c'est à ce moment-là qu'ils attaquent pour les tuer. Ça a été laissé de Haman. Et si on pourrait peut-être observer que c'est ce qui s'est passé également au début de ce siècle. Au moment où les bénis Israël, au moment où les Juifs ont essayé de retourner vers leur terre, puisque c'est en 39-45, où ils ont eu cette espérance de vouloir retourner vers leur terre, à un certain moment où, en effet, on se rend compte, c'est un fait historique, qu'il y a eu beaucoup d'assimilation, et une grande faiblesse dans le comportement,
une grande faiblesse dans l'observance de la Torah et les mitzvot, mais c'est à ce moment-là que, également, sûrement un descendant, on a vu que Edom, descendant de Edom, Rachid dit Mefourage dans la Maseret Megillah, dans la Gemara de Megillah, que Edom, c'est Germania chez Edom. Il appelle ça Germania. Germania chez Edom. C'est très surprenant. Personne ne comprend ce Rachid. Rachid nous explique. Germania, il dit, c'est l'Allemagne, comme ça dit Rachid. Alors que ce n'était pas du tout, Rachid a vécu à Milan. Et il dit Germania chez Edom. Edom, c'est Germania. Je vais dire Rachid. Donc, la Gemara, c'est une Gemara Mefourage dans le traité Megillah. D'accord ? Donc, ils appellent ça Germania chez Edom. Germania, on sait tous que c'est la Germanie et c'est donc l'Allemagne. Donc on pourrait supposer de dire que ce qui s'est passé au début du siècle également, eh bien c'est un petit-fils de Édom, petit-fils de Amalek, petit-fils de Esav, qui au moment où les bénis d'Israël ont également eu une faiblesse, au moment où ils veulent rentrer en Eretz Israël, c'est à ce moment-là que Esav vient pour attaquer. Ça a été Esav, ça a été Amalek, ça a été Aman, petit-fils de Esav, et descendant d'Esav, et là ça a été également les Allemands, Édom, qui sont également Germania chez les deux. Bon, c'est juste une petite parenthèse pour Im. Donc ça, c'est pour le premier des Sheva Amim. Donc on parle de Amalek. De nouveau, on a parlé d'Amalek parce qu'on s'approche de Purim. Mais en effet, on se rend compte que ces peuples-là, puisqu'on a eu l'exemple même avec Bnei Afrika, et les Sheva Amim, les sept peuples, c'est donc exactement également la même situation, eh bien, on se rend compte que ces peuples, eh bien, ne veulent même pas que physiquement on existe. C'est pour ça qu'on a l'obligation de nous défendre et de trouver des solutions. Ça, c'est la première histoire. Donc, on se rend compte qu'ils ont eu beaucoup de chance, si on peut appeler ça de la chance, mais grâce à cela, ils ont eu cette année-là, c'était l'année de Shemitah, ils ont eu de quoi manger, et donc, ils ne sont pas morts de faim. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on va voir que, sûrement, ça a dû se passer quelques années un peu plus tard. On dit Shuv Pam, regardez un peu plus tôt dans la Gemara. Shuv Pam, une autre fois. Alors, Shuv Pam. Baoubne Mitzraim, la donne Israël. Alors là, c'est les Égyptiens qui arrivent. Vous avez la page? Manoubne Mitzraim, la donne Israël. On va le lire rapidement. L'ifne Alexandros Mogdon, devant Alexandre le Grand. Ambrulo areu omer vachem atanet renaam beine Mitzraim beach ilum. On voit bien que dans le verset, il est écrit qu'au moment où les béné Israël ont quitté l'Égypte, ils ont emprunté les richesses aux Égyptiens. Ils ont emprunté l'or et l'argent. Donc, ça a été un emprunt, puisqu'on parle de Vayash Ilum. Vayash Ilum, ça veut dire emprunter, ça ne veut pas dire donner. Nous, là, nous, Kesef et Zahav, Shatatem Imenu. Les Égyptiens, ici, ont une revendication un peu différente. Eux, ils demandent de l'argent et de l'or. Nous, là, nous, Kesef et Zahav, donnez-nous de l'argent et de l'or. C'est ça qu'on désire, nous. Donc, alors que les Bnei Afrika voulaient renvoyer les Bnei Israël de la terre d'Eretz Israël, eux, ils ont une revendication plus matérialiste. Eux, ils disent, Israël, on a besoin d'argent, donnez-nous de l'argent, vous nous devez de l'argent. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on voit bien dans la Torah, il est mentionné que vous nous avez emprunté de l'argent. Amar via ben tsisa le chachamim, nous li rechoud ve l'er vadonim maem. Adik via ben tsisa au chachamim, donnez-moi la permission et je vais également faire ces disputations avec eux, l'ifna Alexandros, devant Alexandre le Grand. Iminatroni, la même phrase qu'avant. Si c'est eux qui gagnent, Amoulaim Ediot, Chibanounit Sartem, c'est donc un homme simplet, comme Viabem Tissa, qui était bossu, qui a réussi donc à vaincre. Vehimani Natsiachotam, si c'est moi qui gagne. Amroulaim, Torah Moshe Rabbeinounit Sartem, c'est la Torah de Moshe Rabbeinu qui a réussi à vous vaincre. Natnou Loreshoud Valar Kudanimaem. Ils lui ont donné en effet la permission. Il a donc été polémiqué avec eux devant Alexandre le Grand. Amarlaim Meicha Tamivim Reaya. Alors il leur a demandé, Viabem Tissa, d'où est votre preuve? Ils ont dit, eux aussi, de la Torah. Amroulom mina Torah. Amalem afani lo avi lachem raya la mina Torah. Moi également, je vais vous apporter une preuve uniquement de la Torah. Je l'ai marqué comme il est écrit. Ou Moshav bene Israël, asher yashvu bemitzraim, shloshim shana varba meot shana. Là, on prend le calcul depuis auparavant. Les bene Israël sont restés en Égypte pendant 430 ans. On prend donc le compte depuis Avraham Avinu. Nulanu sacha. Avoda, shel shishim ribo, sheshibatem et mitzraim. Quand on est sorti d'Égypte, on était donc 600 000. Faisons le calcul de ce que vous nous devez matériellement, puisque vous parlez d'argent, eh bien on va parler nous également d'argent. Puisque les bénis d'Israël étaient en Égypte et ont été esclaves en Égypte pendant 430 ans, et qu'ils étaient 600 000, combien coûte un esclave par an? On va faire le calcul.
et vous allez nous devoir beaucoup, beaucoup d'argent. » Et là, il était un peu embêté. Alexandre Osmogdon. De nouveau, Alexandre le Grand dit aux Égyptiens, « Arsirou lo tchouva, donnez-lui une réponse. » Amroulo, ils lui ont dit, « Nutnala nuzman gimel yamim, donne-nous 3 jours. » Nutnala il leur a donné 3 jours. « Batkouve lo matsu tchouva. » Ils ont recherché, ils n'ont pas trouvé de quoi répondre à Alexandre le Grand. « Miyad enichus dotem kishen zruot de karmem kishen etuot ou bachouvot ashana shvita ita. » De nouveau la même histoire. On se rend compte que cette année, c'était l'année de Shemitah. Et grâce à ça, les Bnei Israël avaient de quoi manger puisqu'ils ont laissé leurs terres, ils sont partis, et pour ne pas devoir rembourser cet argent. Et grâce à ça, on a eu de quoi manger, on a pu survivre cette année-là qui était une année de Jachère, une année de Shemitah. Alors là, les Égyptiens, ils ont une revendication. C'est vrai qu'ils s'opposent également au peuple juif, au Bnei Israël. La revendication est un peu différente. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Et d'ailleurs, tout état d'esprit des Égyptiens, si on réfléchit bien, c'est également la même problématique. Les Égyptiens, eux, voulaient... C'était l'aspect matériel. D'ailleurs, on n'a aucune obligation aujourd'hui de tuer un Égyptien. Et on n'a jamais eu l'obligation de les tuer. Ce qu'on a dû faire en Eretz Mitzrayim, et ce qui s'est fait en Égypte, c'est montrer qui est le boss. Parce que c'est ça le problème. Qui est HaKadosh Baruch Hu ? Eux, ils avaient leur Dieu. Ils servaient toutes sortes de divinités. Mais on devait leur montrer qu'en réalité, spirituellement, on avait notre Dieu. Et que c'était notre Dieu qui était le chef suprême, le Dieu suprême de du monde entier. C'est ce qu'on a essayé de prouver aux Égyptiens à travers ces plaies, à travers tout ce qui s'est passé en Égypte. Alors, si on réfléchit bien, l'Égypte était l'endroit qui était le plus avancé à tous les niveaux, au niveau technologique, au niveau science, au niveau sorcellerie, dans le monde entier. C'était le pays où tout ce que chacun avait besoin, il le recevait. C'est ça les sorciers. La sorcellerie, c'était de dire, voilà, je veux quelque chose, ce que tu veux, bien je te le fais. Abracadabra, je te le crée moi aussi. C'est ce que c'est abracadabra. Bara, kedibra, créé par la parole. D'accord? Bara, kedibra. Donc, c'est la traduction de abracadabra. Alors c'est ce qu'on dit, quand on dit abracadabra, ça veut dire, regardez, ça va sortir tout seul, sans même que le... uniquement avec ma parole. Donc c'est ce qu'il disait ici. Les Égyptiens, le roi, même le roi Paro, vous savez que c'était le pays où ils n'avaient pas besoin de Dieu. Aujourd'hui, on trouve des solutions pour manger, on peut avoir, comme on a dit, on parle d'importation, on parle de... Mais quand ils avaient à l'époque, ils n'avaient pas de pluie, ils étaient complètement perdus. Et tous les peuples qui avaient besoin de la pluie, pour pouvoir se nourrir, eh bien, ils se dirigeaient tous vers leur Dieu pour dire, donne-nous la pluie, pour qu'on ait de quoi. C'était la parnassa, c'était le gain pour toute l'année. C'est ce qui leur permettait de vivre, de manger, de survivre, d'avoir de l'argent, d'avoir tout. Tout dépendait en effet d'agriculture. On voit que c'était très important à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, c'est extrêmement important. Mais je pense qu'à l'époque, c'était le point essentiel. Les gens travaillaient toute l'année uniquement pour pouvoir récolter. Si à la fin, il n'y avait pas de pluie, ça ne servait à rien. Donc, les Égyptiens, de par leur existence même, l'emplacement de l'endroit où ils habitent, ben les Égyptiens, ils n'avaient pas besoin de Dieu, puisqu'ils avaient le Nil. Vous savez que le Nil, ça leur permettait d'irriguer tout leur champ, sans avoir besoin de Dieu. Donc, ils se créaient d'autres dieux. Paro se prenait pour le Dieu suprême. Ils avaient toutes sortes de sorcelleries pour avoir tout ce qu'ils avaient besoin, mais ils n'avaient pas besoin de rechercher une divinité extérieure, ils n'avaient pas besoin de rechercher HaKadosh Baruch Hu, simplement parce qu'ils avaient de quoi manger, ils avaient le Nil qui les irriguait, et ça, ils n'avaient donc pas besoin de rechercher HaKadosh Baruch Hu. Donc ici, les Égyptiens, ce qu'ils essayent, leur opposition au peuple juif, c'était surtout au niveau spirituel, c'était pas physique. Ce n'était pas essayer de détruire les Bnei Israël comme on l'a vu avec les Bnei Africa, avec les Africains, avec les Shevaamim qui voulaient détruire physiquement les Bnei Israël. Eh bien non, puisque les Égyptiens, eux, ils voulaient détruire spirituellement les Bnei Israël. Ça a été bien sûr qu'ils les ont asservis. Mais le principe même des Égyptiens, c'est d'essayer de s'opposer aux Bnei Israël par leur matérialité, par leur Dieu à eux. L'aspect justement des Égyptiens avec leurs sorciers, c'était de prouver que leur Dieu, leur divinité était supérieure, que leur sorcier était supérieur au nôtre.
Il disait, nous aussi, on peut le faire comme vous, il n'y a aucun problème. D'accord, vous avez votre Dieu, mais nous aussi, nous également, on a notre Dieu. Ça, c'était donc Eretz Mitzrayim. Et nous, pour nous défendre de cet aspect, de cette matérialité d'Eretz Mitzrayim, on n'a pas l'obligation de les tuer. On a la possibilité de nous contrôler. On a la possibilité de dire, non, vous êtes, en effet, vous les Béné Israël, vous les Égyptiens, vous êtes très proches du monde matériel, la matérialité, vous cherchez à avoir beaucoup d'argent. D'ailleurs, regardez ce que demandent les Égyptiens. Qu'est-ce qu'ils demandent ici? Ben, ils demandent de l'argent. Ils disent, venez Israël, vous nous devez de l'argent. Alors nous, Gvia Ben Tissa, dans leur sens, eh bien, il a réussi à leur prouver que, en effet, c'est eux qui nous doivent de l'argent. Ce n'est pas nous qui leur devons de l'argent, c'est les Égyptiens qui nous doivent énormément d'argent. Et là, c'est vrai que pour eux, c'était une catastrophe. Au lieu de dire, bon, on va rembourser, on va trouver une solution, vous nous devez, on vous doit. Pour eux, c'était tellement difficile. Eh bien, ils ont dit, on s'enfuit. Les Égyptiens sont vite partis. Et comme on nous raconte, ils ont laissé leur champ qui avait été semé. Donc on a pu récolter, on a pu de nouveau cette année-là consommer, eh bien, alors que c'était l'année de Shemitah. On va essayer de voir ensemble la troisième petite histoire, qui est également très intéressante, celle qui nous concerne beaucoup plus aujourd'hui. Alors de nouveau maintenant, la Gemara nous raconte une troisième histoire qui va être un peu similaire, mais également différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Veshuv Pam, Bahou Bnei Ishmael, là c'est les descendants d'Ishmaël, qui était donc, Ishmaël était le fils également d'Abraham, descendant abrahamique, comme Yitzhak. D'ailleurs, Ishmaël est né avant Yitzhak, mais il était le fils de l'esclave. On va voir tout de suite de quoi il s'agit. Baou bnei Ishmaël ou bnei Ketura, les enfants de Ketura également, ceux qui sont, on a dit que quand Sarah est décédée, a quitté ce monde, Abraham, il a épousé Ketura. Certains vont dire que c'était également Agar. D'accord ? Rapporté dans le Chumash, mais bon, il y a les Midrashim, il y a d'autres sens, on peut voir le sens simple. Vous venez Ketura, la Donim Israël, de nouveau eux également, ils viennent devant Alexandre le Grand, ils venaient Alexandros Mogdon, devant Alexandre le Grand, et eux, ils ont également une proposition, une polémique un peu différente. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Amroulo, ils ont dit Alexandre le Grand, Eretz Kenaan, Shelanu Veshelachem. Ils disent la terre d'Eretz Israël, c'est à nous et à vous. C'est à nous deux. Ben c'est très simple. Si la terre, on a réussi à prouver à travers ces deux histoires auparavant que la terre d'Eretz Israël, d'abord, elle appartenait au Béné Israël, donc ce n'est pas au Canaanim. Et d'où on sait que ça appartient au Béné Israël? Parce que c'est une promesse qui a été faite à Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a eu des enfants à part Yitzhak. Et il a eu Ishmaël qui est né même avant Yitzhak. Il est né avant Yitzhak. Et on se rend compte que quoi? Que s'il est né avant Yitzhak, bien qu'Ishmaël, même, on va voir, bien qu'il était le fils de l'esclave, à un certain moment, il a libéré cet esclave. Il a libéré Agar. Donc on nous raconte, « Ubne Ketura, l'ifne, la don im Israël, l'ifne Alexandros Mogdon. » Ils sont venus donc devant Alexandre le Grand, Ishmaël et Ubne Ketura. Amroulo, ils lui ont dit, Reskenan, Chelanou, Veshelachem, Reskenan est à nous et à vous. Comme il est écrit, Ve'el et Toldot Ishmael ben Avraham. Il est écrit, lorsque Avraham est Niftar, Ve'amot, Ve'yasef et Lamav, immédiatement après, on nous dit que Ishmael, voici la descendance de Ishmael, descendant d'Avraham. Et par la suite, il est écrit, Ve'el et Toldot Yitzhak ben Avraham. Et la paracha d'après, c'est la paracha de Toldot qui commence. Et c'est là qu'on commence, on dit, Ve'el et Toldot Yitzhak. Donc on voit bien qu'Avraham a eu deux descendants. Il a eu Yitzhak et il a eu bien sûr Ishmaël. Donc, disent-ils, si vous revendiquez un droit sur Eretz Israël, nous aussi on a le droit d'avoir une partie, on a le droit d'avoir la moitié. Vous avez une première moitié, c'est vrai, mais on doit avoir une deuxième moitié. Amar lehem Gvia ben Tissa. Il leur a répondu, Gvia ben Tissa, la chachamim, chachamim, nous l'irechout, donnez-moi la permission, ve'elech ve'adonimem, je vais aller, moi également, adonimem, juger, polémiquer avec eux. L'ifné Alexandros devant Alexandre le Grand. Iminatsruni, amru ediot chibanu nitsartem. Si il gagne, eh bien vous allez dire, un homme simple, comme moi, Gvia ben Tissa, qui n'est pas un homme particulièrement brillant, qui n'est représentatif de rien du tout, eh bien qui est en plus bossu, eh bien c'est lui qui a réussi à vous vaincre, vous aurez donc une seconde chance. Veim ani enatsiachotam. Et si c'est moi qui arrive, qui réussis à vaincre. Im ani natsiachotam. Amu Torah Moshe Rabbeinu nitzartem. Vous pourrez dire que c'est la Torah de Moshe Rabbeinu qui a réussi donc à vaincre cette polémique, cette disputation.
Natnou le Réchout, il en a donné la permission, Véalar, Védanim même, il a donc été pour, dans ses disputations devant Alexandre le Grand. Amar Lehem, il leur a dit, donc à Gviabem, tu dis ça, dit Obne Ishmael, Obne Ketura. Mecha, Tamivim, Raya, quelle est votre preuve que vous avez droit à une partie des Eretz Israël? Nous, on a droit à une partie, on l'a prouvé dans les deux dernières polémiques que nous avons eues avec Bnei Afrika, avec Mitzrayim, mais qui vous dit que vous avez le droit également à une partie des Eretz Israël? Mecha, Tamivim, Raya, d'où est-ce que vous apportez une preuve? Ambrolo Mina Torah, ils ont dit, nous, on apporte une preuve de la Torah. À Marlaem, il leur a dit Af ani lo avi reaya el amina Torah. Moi également, je vous apporterai une preuve uniquement de la Torah, comme il a si bien l'habitude de le faire avec brillamment. Shenemar, comme il est écrit, Vaiten Avraham et kol asher lo le Yitzhak. Il est écrit qu'Avraham a donné tout ce qu'il avait, c'est-à-dire son héritage spirituel, son héritage également matériel, puisqu'il a droit à la terre d'Eretz Israël, à qui il a donné? À Yitzhak. Ah, alors les autres. Et Ishmael et Bnei Ketura. Vilivne Apilakshim, Asher la Avraham, Nathan Avraham Matanot. Il leur a donné des cadeaux. Alors, surprenant, vous allez voir tout de suite de quel cadeau il s'agit. Mais pour l'instant, on voit que, a priori, Avraham a donné tout ce qu'il avait à Yitzhak. D'abord, comment a-t-il le droit, Avraham, de donner à Yitzhak et pas aux autres enfants? Vous savez que, dans la Torah, on nous dit qu'on n'a pas le droit de favoriser plus l'un que l'autre. Et d'ailleurs, Ishmael, comment peut-il venir revendiquer avoir un droit sur Israël? Il sait très bien qu'il est le fils de Agar qui était esclave. La petite dispute qu'il y a eu ici entre les descendants de Ishmael et les descendants de Gviabem, c'est ça, c'était pour une autre raison. Vous savez que Ishmael pensait, il s'est dit, mais puisque en fin de compte, ma mère, Agar, a été adoptée par Avraham en tant que femme, et également puisqu'il l'a repris, il l'a reprise après que Sarah a quitté ce monde, eh bien je suis également l'héritier. Pour quelle raison? D'abord, je suis l'aîné. D'abord, je suis né avant Yitzhak. Je suis né avant Yitzhak. Donc pourquoi n'aurais-je pas un droit sur Eretz Israël? Moi aussi, je vais avoir un droit sur la terre d'Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu Gviabem Tissa? Il lui dit, c'est très simple. Il lui dit, c'est vrai que normalement tu devrais avoir un droit sur Eretz Israël. Le problème est que tu n'es pas un enfant légitime. Tu as été, lorsque tu es né, tu étais le fils d'une esclave. Et on a déjà prouvé avant que l'esclave à qui il appartient? À son maître. Donc Avraham pouvait faire ce qu'il voulait. Puisqu'il était le fils de l'esclave, donc il avait même un droit physique sur lui, un droit financier. Donc il a eu le droit de lui dire, écoute, vous êtes les enfants des Pilakshim. Même si par la suite, Avraham, il a de nouveau pris Agar en tant qu'épouse, en tant que femme, c'était quand même des Pilakshim, c'était quand même des concubines. Ce n'était pas la femme officielle, puisque la femme officielle d'Avraham, ça a toujours été Sarah, et ça restera Sarah. Et à vous, il vous a donné autre chose. Qu'est-ce qu'il leur a donné? C'est surprenant, il y a des écrits, il leur a donné Nathan Lahem Matanot. Il leur a donné des cadeaux. De quel cadeau il s'agit? Alors, ce qui est surprenant, c'est que quand on nous parle de cadeaux ici, la Gemara dit que regardez, on continue. Oui. Alors, Ivanav Bechayav, Vishigerzem Maal Zeklum, Yeshlaze Al Zeklum, la Gemara demande par la suite, Maï Matanot, quels sont les cadeaux qu'il a donnés au venez? Non. Alors regardez, il y a écrit Me'al Zekloum, Yesh Lezer Dazara Kloum. On va essayer de comprendre. La Gemara demande, il n'y a rien donné. Qu'est-ce qu'il leur a donné alors? Mais qu'est-ce que c'est comme cadeau? Beaucoup plus que ça, on s'attend à beaucoup plus que ça. Et la Gemara rapporte à Marabi Irmiya Baraba, Melamed Shemassar Lahem Shem Touma. Le Koah Hatouma. Les forces de l'impureté. Et Rashi nous dit, c'est quoi ce Koah Hatouma qui chauffe la sorcellerie? Ou ma séchedim. Mais c'est Abraham qui les avait? Oui, et c'est surprenant. Et, vous savez, c'est quoi les chedim? Ce sont les mauvais esprits. La force des mauvais esprits, c'est un héritage extraordinaire également pour les descendants de Ishmaël. Et l'usage qu'ils en font. Justement. Pour eux, c'était un héritage très important. C'est ce qu'ils avaient choisi, c'est ce qu'il leur a donné. Bien sûr qu'il leur a donné des matanotes, des petits cadeaux. Mais surtout, il leur a transmis Shem Touma. La question est surprenante. Comment Abraham
peut-il donner la touma, la sorcellerie, kishouf, massé chedim, à ses descendants, à Ishmaël. On voit donc que Ishmaël et Ibn Ketura également ont eu un héritage, ont reçu d'Abraham autre chose. Alors en effet, Yitzhak, c'est lui qui a reçu la terre d'Eretz Israël. On arrive à prouver que en échange, Ishmaël a reçu des pouvoirs. Il a reçu Shem Touma, il a reçu la sorcellerie, il a reçu tous ses pouvoirs, il y a eu le droit. Seulement, Ishmaël, lui, ce qu'il pensait. Ishmaël, lui, il pensait dire, puisque ma mère a été, en fin de compte, est devenue la femme d'Abraham, eh bien, j'ai le droit également, c'est des pilakshim, mais j'ai le droit également à porter des rats d'Israël. Mais ce qu'il n'avait pas pensé, Ishmaël, c'est qu'au moment où il est né, sa mère était encore esclave. Donc lui, il est descendant de l'esclave. Il est descendant de sa mère qui était esclave. Et donc à ce moment-là, c'est sûr que lui, il est l'esclave de Avraham et donc directement également l'esclave de Yitzhak. Donc de nouveau, il est dans le même problème. C'est que Ishmaël qui vient revendiquer un droit en disant « La terre d'Eretz Israël, c'est à nous et à vous », eh bien, on se rend compte que, grâce à ce qu'on voit dans l'histoire ici, eh bien, ça nous appartient. Mais quand on dit que ça nous appartient, ça ne veut pas dire que ça nous appartient depuis aujourd'hui, depuis le moment où ça s'est dit. Ça veut dire qu'à la fin des temps, évidemment, Eretz Israël est à nous. C'est vrai que dans la théorie, Eretz Israël est entièrement à nous. Mais dans la pratique, on se rend compte aujourd'hui, et on se rend du compte durant toutes sortes de générations, que les Bnei Ishmael avaient aussi un droit sur Eretz Israël. Et vous savez que je ne vais pas rapporter maintenant tous les textes qui se réfèrent à cela, mais on se rend compte, comme on l'a vu tout à l'heure, déjà Ishmael, s'il s'appelle Ishmael, c'est l'avenir. Dans l'avenir, Ishmaël, il écoutera, Dieu écoutera la prière de Ishmaël. On se rend compte qu'il y a, on ne va pas pouvoir développer ce sujet maintenant, sûrement pas, mais on se rend compte qu'Ishmaël a quand même un certain mérite. Bien qu'aujourd'hui, l'utilisation de Dieu aujourd'hui, au contraire, il met Dieu à son service, d'être au service de Dieu, quand même Ishmaël, on se rend compte qu'il est différent des autres peuples. On a vu trois histoires. On a vu l'histoire des Shiva Amim, des sept peuples, les premiers opposants au clan d'Israël. On a vu les opposants matériels, Mitzraïm, ceux qui s'opposent au peuple juif et qui voulaient demander de l'argent, c'est les Égyptiens. Et on se rend compte que Mitzraïm fait partie des peuples qui vont asservir les Bnei Israël, comme les Malchuyot, les Arba Malchuyot. On dit l'Arba Malchuyot, il y a Paras, il y a Van, les Grecs. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'on se rend compte que Ishmaël, et ça rapporte également dans Daniel, une grande discussion à ce propos dans les Rishonim, où est Ishmaël? Est-ce qu'il fait partie des Arba Malchuyot ou est-ce qu'il ne fait pas partie des Arba Malchuyot? Puisque dans Daniel, on nous dit que, est-ce que, c'est la grande discussion, le Even Ezra a l'air de dire que Ishmaël fait partie peut-être des Arba Malchuyot, des quatre civilisations qui ont eu le droit ou qui auront le droit de nous asservir. Mais Ishmaël, a priori, comme ça dit le Nachmanid, le Ramban et tous les commentateurs, Ishmaël ne fait pas partie des Arba Malchuyot. Et c'est une très grande question qui est posée dans les Rishonim. Comment se fait-il que Ishmaël ne fait pas partie des Arba Malchuyot? Vous savez que Daniel a eu une prophétie, il a vu. Donc, en prophétie, les quatre, voilà, il a vu les quatre peuples qui vont asservir le peuple juif et il n'a pas vu Ishmaël. S'il n'a pas vu Ishmaël, comment est-ce possible? Il y a une réponse du Maharal qui est en début du Sefer Nere Mitzvah, qui est très intéressante, et qui dit la chose suivante, dans le Perek Gimel et Daled. Le Maharal nous dit que, et d'autres Mefarshim également diront la même chose, que tous les peuples, les Arba Malchuyot, ces quatre peuples qui ont eu à certains moments le pouvoir de nous asservir, qui ont eu un pouvoir sur les Béné Israël, que ce soit les Yavan, les Grecs, que ce soit Paras, Babel. Les Perses, Babel, ils ont eu ce pouvoir sur les Béné Israël, eh bien, leur force dépendait de la faiblesse des Béné Israël. C'est-à-dire que quand les Béné Israël ont un mauvais comportement, le pouvoir qui aurait dû être transmis aux Béné Israël passe directement chez ces peuples. Et c'est comme ça qu'ils ont leur force. Ils puisent leur force de la faiblesse des Béné Israël. Alors qu'en réalité, et ça c'est un très grand chidouche, Ishmaël, il a une force indépendante. Quel que soit le comportement des Béné Israël, il y a quand même Ishmaël, il a quand même une force. Déjà, on voit le nom Ishmaël, on a vu qu'il écoutera, quand Kadosh Baruch Hu écoutera. Alors c'est un sujet à part qu'on pourrait un jour développer, mais qui n'est sûrement pas le sujet d'aujourd'hui. Mais très rapidement, on voit que d'abord il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu dans Ishmaël, alors que le seul autre nom de peuple qui a le nom d'Akadosh Baruch Hu, Kel, c'est Isra, Kel, et là il y a Ishmaël. Déjà il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le nom même de ce peuple. De plus, on va voir que
que Ishmaël, comme on l'a expliqué, eh bien, il est pas vraiment un idolâtre. Même aujourd'hui, ce sont pas, ils ont un comportement horrible de barbare, en effet. Mais il n'y a pas d'idolâtrie à proprement parler. Il a un certain mérite. Le Zohar rapporte, on n'aura pas le temps de développer ce sujet maintenant, il a un certain mérite parce qu'il fait la Mila. Il fait la Mila. Et la Mila, il rapporte dans le Zohar. Hein. C'est très intéressant. Le Zohar dit la Mila. Oui, alors on va voir pourquoi ce n'est pas la même Mila. Mais la Mila de Ishmaël lui donne un srout, puisque le Zohar va nous dire que la Mila donne à un certain moment un droit sur la terre d'Eretz Israël. Un Zohar très très surprenant. Il y a dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, il écrit comme ça. La manikra shemo Ishmael, pourquoi il s'appelle Ishmael? Sha'atid akadash baruch hu lishmoa bikol nakatam mimma sha'atidim bene Ishmael la'asot ba'aretz b'acharit hayamim. Ils auront un droit sur la terre d'Eretz Israël à la fin des temps. Ishmael. Ça ne veut pas dire que c'est éternel. Ils auront un droit sur la terre d'Eretz Israël à la fin des temps. Je vous parle d'un Pirkei de Rabbi Eliezer qui a été écrit des centaines d'années. Dans l'avenir, Akadosh Baruch Hu va écouter la plainte de Ishmaël et ils auront un droit à la fin des temps dans la terre d'Eretz Israël. Lefichach nikra shemo Ishmaël. Shenema, Ishma, kel veyanem. Akadosh Baruch Hu écoutera sa prière et il va lui répondre. Ça veut dire que, et on amène des preuves du Zohar, où la Mila, bien qu'il fasse la Mila de manière complètement différente, mais la Mila donne un srout sur la terre d'Eretz Israël. Donne avoir un certain droit sur la terre d'Eretz Israël. Pas éternel, éphémère, qui va durer quelque temps. D'ailleurs, on se rend compte aujourd'hui, avec beaucoup de réflexions, beaucoup d'étonnement, qu'aujourd'hui, eh bien... Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas pour rien. En tout cas, à un certain moment, c'est éphémère. C'est bien écrit que c'est éphémère, mais il écoutera Ishmaël. Il y a des Ishmaël. La seule différence qu'il y a entre... D'abord, il le fait à 13 ans, la Mila, mais il ne fait pas la prière. Dit le Zohar, il ne fait pas la déchirure qu'on fait après la Mila. Et cette déchirure que l'on fait est très importante. D'accord? Donc il a une partie de la mitzvah de Mila que Ishmaël fait et que d'autres peuples ne font pas. Donc ça lui donne un certain droit dans la terre d'Eretz Israël. Pas un droit qui va durer éternellement, évidemment, et on espère Bezrat Hashem. Mais il a quand même un certain droit sur la terre d'Eretz Israël. Donc on a vu la Mila. Et surtout, il y a un passouk qui définit Ishmaël et qui est très surprenant, mais qui va définir, la définition même de Ishmaël qu'on a droit aujourd'hui, on se rend compte que c'est une prophétie extraordinaire. Comment on pouvait écrire ça il y a 2300 ans? Il y a écrit dans la Torah que « Vekarata shemo Ishmael », tu l'appelleras Ishmael, « Vehu yé pere Adam », ce sera un sauvage homme, « Yado bakol viyad kolbo », il aura la main dans tout, « Valpene kol echavishkon », il va régner sur ses frères. Donc ça veut dire que c'est un sauvage homme. La définition de Ishmaël, c'est d'être un sauvage avant d'être un homme. Parce qu'on l'a défini même par... On l'a défini même par Péré Adam, un sauvage homme. Donc tous ces points, je pense que vous les connaissez tous. Tout cela pour conclure et pour voir que quoi. On se rend compte que ici, si on a mis Ishmaël à part, c'est parce qu'il ne fait pas partie des Arba Malchuyot. Il ne fait pas partie de Mitzrayim, il fait partie des Arba Malchuyot, des opposants au peuple juif. Il ne fait pas partie non plus de Bnei Africa. Lui, il est venu après toutes ces histoires. C'est là qu'il est venu Ishmaël, il a dit, Eretz Israël, c'est à nous et à vous. Donc il ne fait pas partie de ces peuples, Ishmaël, mais il est venu revendiquer un droit sur la terre d'Eretz Israël. Et ce n'est pas pour rien si ça s'est passé de cette manière-là, puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, Eretz Israël n'est pas... Ce n'est pas très facile ce qui se passe aujourd'hui en Eretz Israël. On partage quelque part notre terre avec les descendants de Ishmaël. Donc on voit que les prophéties, c'est fabuleux, mais dans la Torah, on avait déjà donné des signes que ça allait se passer. Et c'est très surprenant. On voit que Péré Adam, on nous parle même de son caractère même. Péré, un homme. Il a quand bien même on se rend compte qu'il a quand même certains mérites, puisqu'il a la Mila, puisqu'il a la définition. Il a quand même le mot Adam, alors qu'on a vu que le mot Adam est quand même... un mot important, la définition même de Adam, c'est pas seulement l'homme. L'homme, bien sûr que tout être humain est un homme. Mais la définition même de Adam dans la Torah, ça, c'est uniquement pour le peuple juif. Pour une raison très très simple. C'est que quand Adam Harishon a fauté, et là on revient à toute notre réflexion de Triat HaMetim, quand Adam Harishon a fauté, eh bien à ce moment-là, il a perdu son titre de Adam. Il a perdu le titre de Adam.
Et c'est pour cela que le titre de Adam, on n'a pu le retrouver que uniquement au moment où on a reçu la Torah. C'est uniquement au moment de Matan Torah que de nouveau on a pu hériter de ce nom, de cet adjectif qui est Adam. Donc quelque part, pourquoi ? Parce que le Matan Torah, c'est ce qui va donner la force au Béné Israël de pouvoir réparer la faute de Adam Harishon. C'est d'être représentant d'Akadosh Baruch Hu sur terre, c'est de faire en sorte que nous, le peuple juif, on est ses représentants, on est ses enfants, on est le peuple élu, et on est là pour essayer de le faire rayonner. On est là pour essayer de représenter Akadosh Baruch Hu. On a une grande responsabilité, pas seulement envers nous, mais envers tous les peuples. Et c'est vrai que les Bnei Israël ont cet adjectif-là de Adam. Notre travail aujourd'hui dans le projet divin, c'est d'essayer de réparer la faute de Adam Harishon. Et c'est surprenant de voir que même Ishmaël a quand même ce mot Adam. Mais bon, si on réfléchit bien, il est d'abord sauvage avant d'être homme. Puisqu'il a écrit « Péré Adam, sauvage homme ». Bon, c'est quand même très surprenant. Quand même très surprenant. Donc, quelque part, ça donne quand même un certain droit, un certain mérite, même si c'est éphémère. Mais il y a bien écrit « Yishmaël », mais comme c'est écrit dans tous les livres, comme on le voit, c'est uniquement éphémère. Ça va durer que quelques temps. Et que, de toute façon, à la fin des temps, Bezrat Hashem, on va pouvoir récupérer la terre d'Israël. Donc, tous ces opposants au peuple juif, que ce soit les Bnei Afrika, que ce soit les sept peuples, que ce soit Mitzrayim qui représente les Arba Malchuyot, ou que ce soit même Ishmaël qui est venu à ce moment-là pour revendiquer un droit également sur Eretz Israël, Baruch Hashem, on a réussi à ce moment-là, devant Alexandre le Grand, on avait réussi à nous en sortir, on avait réussi à trouver une parade, on avait réussi à défendre notre droit dans ces disputations et garder un droit sur Eretz Israël. Mais il est évident que si la Gemara nous le raconte, ce n'est pas uniquement pour nous raconter ce qui s'est passé à l'époque, c'est également pour nous donner des signes pour ce qui se passe à nous aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit et dans l'époque dans laquelle on vit. Et il est évident qu'on se rend compte que de la même manière que dans la Gemara, on a réussi à gagner mais ces trois disputations avec ces trois peuples, avec les Bnei Afrika qui représentent les sept peuples,